Bonjour à tous. Ça y est, on est le matin, on est dimanche matin et je vous propose un petit vlog. On est dimanche 9 mai. Je viens de prendre mon petit déj en famille, comme tous les jours. Je viens de prendre ma douche et maintenant je vais me préparer. Je vais m'essayer au vlog aujourd'hui. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer ma super routine du matin. Très incroyable comme elle va être compliquée. En fait, c'est la même tous les jours de la semaine. Donc, je me douche, je me lave les cheveux, parce qu'autrement, ils sont comme ça. Donc là, ils ne sont pas peignés. Et après, je m'habille, du déo, tout ça. Et après, je me lave le visage avec la rêveuse. Alors, attendez, moi, je ne suis pas une pro de ça. Voilà, la rêveuse d'Héloïse. Elle fait le blog Easy Blush. Elle est aussi sur Instagram, elle est aussi sur YouTube. J'aime beaucoup. Et ses produits, ça, c'est la deuxième huile démaquillante que j'achète. C'est une huile à 80% d'origine biologique et j'aime beaucoup. Donc en fait, j'en mets un tout petit chup. Voilà, donc ça c'est fait. Et après, je prends pareil de chez Héloïse, toujours l'huile, la lumineuse. Donc là, c'est une pipette comme ça. J'en prends pas beaucoup. Je prends ça et encore, je sais même pas si je mets tout en fait. Je mets 1, 2, 3, 4 gouttes. Je chauffe un peu. Je sens. J'adore. C'est des huiles, c'est à base d'huiles essentielles. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais qu'est-ce que j'aime ce tube. Et je mets que ça. Ça, je la mets le matin, le soir. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plein de trucs bons, hein, pareil. Hein. 96% d'origine biologique. Il y a jojoba, argan, buriti, avocat, néroli, géranium, lavande. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Donc après, je me peigne. Soit si j'ai la chance d'avoir un peigne dans la salle de bain, je me peigne au peigne. Soit si j'ai pas la chance, je me peigne au doigt et ça marche aussi. Enfin oui, en fait ça va être mieux comme ça. Voilà, ça, c'est peigné. Brossage de dents. Avec ma brosse à dents en bambou. Et mon dentifrice va avec un bio. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de poudre parce que quand même, je brille un peu. C'est une poudre compacte. Bon, enfin, que j'en mette ou que j'en mette pas, c'est pareil. En fait, je vois pas la différence, mais c'est juste un geste habituel finalement du matin. Un peu sur les yeux, blablabla. Et puis, ça y est. Ça, c'est le même geste depuis 1000 ans, mais là, je ne vais pas le faire là parce que ça va être n'importe quoi. Donc, je vais le faire au miroir, vraiment. Je mets de l'eyeliner. Alors, ce n'est pas forcément tous les jours. Enfin, si, c'est tous les jours, mais pas forcément tous les jours, tous les week-ends. Mais bon, là, comme je me filme, je me dis que ça fera... moins l'impression d'être malade en fait. J'ai l'impression que je suis malade quand je mets pas d'eyeliner. Mascara. Non, ça c'est un mascara Maybelline. Voilà. Tout n'est pas bio. J'avais essayé un mascara bio, mais en fait il tenait pas du tout. Donc j'ai pas trouvé encore de bon mascara bio. Si vous avez des marques à me conseiller, n'hésitez pas. J'avais pris une marque de supermarché bio. Bah non, en fait c'est pas bien du tout. J'avais des yeux tout noirs dessous là au fur et à mesure de la journée et ça tenait pas. Donc moi, il faut que ça tienne. Et là, ça tient. Et puis c'est tout. Maintenant, je vais ranger tout le bazar que j'ai mis partout. Ah, si. La montre. Même si on est dimanche, c'est pas grave, j'aime bien mettre ma montre. J'ai essayé d'avoir une montre connectée un jour. Hein. Mais en fait, j'étais encore plus sur mon téléphone, enfin sur un écran. Donc là, maintenant, j'ai une montre qui donne l'heure. Et c'est tout. Il est 10h07. Ce matin, on va aller au marché. Donc, on a pris l'apéro hier avec nos voisins qui nous ont parlé du marché qui était dans le village à côté. Donc, on va aller tester ce marché. Voilà, tranquille, parce que ça va faire juste le lieu d'une promenade. Peut-être que je fasse quelque chose pour mes sourcils. Je les vois très clairs là quand même.
et très court, mais bon, ils sont natural. N'est-ce pas, Karine? Natural. Petit clin d'œil à ma sœur qui me parlait des body types et des natural. Il va falloir que je regarde ce que c'est quand même. Je suis prête. Du marché. Alors voilà ce que c'est quand on se dit bon on verra ce qu'on achètera, on n'achète que des trucs qui font plaisir. Et puis en plus, alors on est allé, donc premier endroit il n'y avait pas de marché, deuxième endroit il y avait bien un marché, c'est la première fois qu'on y allait, donc c'est un village à côté aussi, sauf que finalement il y avait beaucoup de revendeurs, de primeurs, mais pas de producteurs. Nous on aime bien aller directement se servir chez les producteurs, donc pas trouver forcément des mangues et des bananes sur un rayon, un étalage de fruits et légumes. Et puis je voulais des fraises, mais les fraises elles étaient moches, donc du coup on n'a pas pris du tout ça, mais on a pris des jetons. Alors ça c'est quoi? Non, voilà, radis pour les apéros et des fèves à manger comme ça à la crocosette et des huîtres de l'île de Léron. Et là c'est cool parce qu'on n'est que deux à manger sur quatre, donc c'est très bien. Un saucisson au taureau et du fromage vache brebis, le plaisir du marché, c'est trop bien, je suis trop contente. Et puis c'est tout en fait, hein, finalement, après la petite balade, c'était très sympa, c'était très joli. Et puis voilà, je vais mettre tout ça au frais et puis on va manger. Bon, pas tout à fait, il est midi, on va aller faire un tour dehors pour voir où en est notre jardin aussi. Alors la nouveauté de cette année, c'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle des fuchsias. J'avais envie de fleurs, de couleurs, et voilà. Aussi, la nouveauté aussi, c'est qu'on a bougé cet olivier qui était à un endroit où il n'y avait pas assez de soleil, donc on l'a mis là. Donc là, c'est de la menthe, ça sent trop bon. Avec les fraises, c'est un bonheur, et le taboulé. Là, je dois avoir de la, je sais plus trop quoi qui pousse, de la coriandre ou je ne sais quoi. Là, j'ai du thym qui est en train de végéter. Du romarin qui va très bien. Donc encore cette année, on a fait un jardin potager. Je vais vous montrer vite fait. J'ai fait une vidéo l'année dernière sur les questions à se poser avant de commencer un jardin. Je vous invite à aller la voir, aller dans le petit i. Et une autre sur ma récolte. Donc là, on en est au début. Donc là, on a des pommes de terre. Là, on a des framboisiers. Des radis. Est-ce qu'ils en sont... Est-ce qu'ils arrivent les radis? Non, ça pousse pas, hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire? En face, on a des aubergines. Là, c'est encore des radis. Là, il y a des haricots. Là, il y a des blettes. Là, tout ça, c'est des blettes avec de l'herbe de tonte. Ensuite, on a toujours des œillets d'Inde pour éviter les bêtes. Des courgettes. Les pieds gagnent bien. Oh, on a notre première fleur. Première fleur. De courgettes. Là, on a du basilic qui n'est pas en forme. J'ai mis des coquilles d'œufs, mais bof. Voilà. Des tomates. Et celui-là, il est un peu plus grand. Ça, c'est un pied de tomate cerise. On a déjà des petites fleurs. Et là, on a des petites pêches. Là, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, encore des pêches, n'est-ce pas Raphaël? Ouais. Alors je viens de jeter, je viens de couper un petit peu le romarin qui est derrière moi là, qui est là derrière. Et en fait l'année dernière j'avais essayé de le faire sécher pour après m'en resservir. Et en fait finalement je l'ai fait sécher, mais je m'en suis pas du tout resservi. Donc il faudrait que je trouve une solution quand même pour le proposer à d'autres personnes, parce que j'en ai vraiment beaucoup et je le taille pas pour le consommer, mais pour éviter que ça gagne trop sur les cailloux. Donc il va falloir que je trouve un moyen.
de troc ou de choses comme ça. J'ai entendu parler de My Troc. Peut-être que je vais aller vers bah, pour faire profiter à d'autres personnes de ce romarin que j'ai et que je n'utilise pas. C'est dommage quand même. Voilà. Et bizarrement, on a déjà de l'herbe séchée comme si on était en plein été. Et tout ce que vous voyez en blanc, c'est les feuilles d'acacia qui tombent déjà. Là. Les acacias des voisins. Là, on a les bambous. Et de l'autre côté des bambous, qu'est-ce qu'on a? Je viens de traverser notre haie de bambous. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté de la haie de bambous, chez les voisins? Des moutons. Et bambou, alors bambou? Alors bambou? Alors? Qu'est-ce qu'on fait avec les moutons? Ils viennent nous voir, ils sont mignons. Là, je vous dis pas. Les enfants, ils sont toujours en train de leur donner des feuilles parce que là, ils disent, mais ils n'ont rien à manger, donc on leur donne des bambous. Tiens. Miam, miam, miam. Toi aussi, tu veux des bambous? Aïe, aïe, tu me fais mal, bambou. Hé. Alors? Là, on voit Raphaël traverser pour aller chercher de l'herbe. Bon, ça y est, on a mangé. Alors, les huîtres étaient pas mal. Elles étaient bien, bien, bien grosses. Il y avait bien à manger. Par contre, le saucisson, le fromage, tout ça, c'était hyper salé. C'était pas bon, en fait, finalement. Ça a été assez décevant, c'est dommage. Les radis étaient bons. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, il est presque à 14h. Là, Sébastien et les enfants sont en train de regarder un film. Il pleut dehors, donc c'est vraiment pas top. Tant mieux, comme ça, moi, ça va me pousser à rester dans mon bureau et à faire plein de choses. Donc, je vais prendre mon agenda. Dimanche 9 mai, je vais écrire tout ce que je dois faire parce que je sens qu'autrement, je vais oublier des trucs. Pour l'école, il y a du travail sur différents projets, il y a aussi les devoirs des enfants. Voilà, et préparer la semaine. Allez, au boulot. L'éducation nationale nous a donné des tests, des autotests. Donc, on est censé en faire deux par semaine. Bon, j'ai pas de symptômes, mais bon, je me dis qu'au moins un par semaine, même si j'ai pas de symptômes, c'est faisable. Donc, il faut que je pense à en faire un aujourd'hui. Alors, ça y est, j'ai rangé vite fait, hein, franchement, j'ai fait du rapidos. Donc, il est 14h37. Je vais préparer ma journée de mardi. Alors, je ne vais pas préparer ma journée de demain. Alors, demain, je suis dans une toute petite école et la titulaire que je remplace, la directrice, me prépare la journée. Donc, j'ai juste à faire ce qu'elle a prévu. Par contre, mardi, j'ai les CM2. Donc, il faut que je prépare la journée et que je corrige l'évaluation que je leur ai donnée la semaine dernière de géométrie. Et corriger la géométrie, c'est long. Donc, niveau boulot, ça va, j'en ai pas trop. Mais par contre, ça peut me prendre pas mal de temps. Donc, je vais rester, si possible, le plus concentré du monde. Bon, là, franchement, alors je sais pas à quelle heure j'ai commencé, je me rappelle plus, mais là, il est 16h48. Et je suis encore en train de corriger la géométrie, sachant que j'ai été un peu interrompue pour les devoirs et que je suis allée jouer 2 secondes avec Léane sur le canapé. Mais quand même, il est bientôt 5h. Et voilà, mais après j'ai d'autres trucs à faire en fait. Et puis je vois qu'il s'est arrêté de pleuvoir, donc ça me donne envie d'aller prendre l'air avant qu'il fasse nuit et que ce soit le couvre-feu aussi.
Alors, bon, comme on en a marre, enfin moi j'en ai marre en tout cas, de travailler, on a eu la chance d'avoir un bon goûter fait par Sébastien et Léane, des beignets aux pommes. Et vous voyez Bambou qui est prête là derrière moi. Donc on va prendre l'air, il ne peut plus. On s'en va, on va aller au bord de la rivière et ça va faire du bien même si c'est pas très long. Sébastien, et là il y a la pluie et mon téléphone est plein de pluie. Oh là là, vive les capuches! Et j'ai pas les chaussures qui vont. Une belle petite averse, c'est super. Voilà, on est un peu abrité, mais là-bas je vais pas être abrité du tout. Et la chienne est toute trempée, ça va être vraiment le chien de sage de chasse qui revient tout trempé. Belle cette balade un peu quand même. On a des rivières à traverser. C'est un état, voilà mon jean à la fin de la balade. J'ai remis des sabots et on est prêt à partir, franchement. C'est seulement avec un chien qu'on fait des balades comme ça quand même. Autrement je serais restée à la maison. Mais j'avais vraiment besoin de sortir. Donc voilà, ça y est, on est bien mouillé, on va se changer et on va rentrer. Voilà un chien trempé, tout pourri, que je vais passer au jet d'eau. Eh Bambou, on va prendre le jet, hein? Parce que là, c'est vraiment pourri. Évidemment, le soleil revient maintenant. Bambou, viens. Et voilà, fin de la balade. Le soleil revient. Et moi, je retourne à mes corrections. Et il est déjà 6h25. C'est quand même malheureux, hein? J'ai fini! Donc maintenant, avant d'oublier, je prends mon ordinateur et je saisis tous les résultats dans mon fichier. Il est donc 7h moins le quart et j'ai fini. On est dimanche, j'ai pas encore commencé à préparer ma journée. Là, ça va mieux que quand j'avais ma classe à moi. Là, je pouvais passer mes week-ends entiers à travailler. Bref, donc allez, je fais vite ma journée et puis je passe à autre chose parce que j'en ai marre. Ouais. J'ai enfin fini. Oh non, dernière chose à faire. Mon test. Alors, dès que tu vas essayer, j'ai l'impression que je vais savoir si je suis enceinte ou pas. Un goupillon. Alors ça et ça. Et ça, la boîte, parce qu'on se sert du trou qui est dans la boîte. On enlève le bouchon, enfin le petit opercule. Le goupillon. Donc je vais faire une petite pause. Et voilà. Oh, franchement, je sais pas si je le fais bien. Mais je pense pas que je le fasse bien, c'est pas possible. Ayant déjà fait 5 tests PCR, je me dis que ça allait beaucoup plus loin que ce que je fais moi. J'ai l'impression qu'il est d'être plus gros. Donc, je sais rien, je fais ce que je peux de toute façon. Ils ont quand même vacciné, hein. Voilà. Contente. Donc voilà, je tourne. Comme ça. Laisse reposer le couvillon. 1 minute. Alors, je dois le mettre 1 minute. Après, je le sors. Je mets le bouchon. Quel bouchon? Ah oui, il y a aussi ça. Et après, donc là j'attends. Et puis après, je fais ça.
Donc là, c'est le fameux truc qui réagit à « je suis enceinte ou pas ». C'est positif ou pas. Résultat en 15 minutes. Je tourne. Je pense que j'ai peut-être pas tourné assez longtemps. Donc là, je sors, je presse, comme ils disent. Hop, voilà. Hop. Après, je mets ça, le bouchon, sur le truc. Ça, je le jette. Parce que j'en ai plus besoin. Et après, c'est ce machin-là que je mets là. Et après, j'attends que ça réagisse là et que ça me dise si c'est positif ou pas. Voilà, donc ça je vais le laisser là. Tac. Et normalement, je dois faire ça 2 fois par semaine. Voilà, ça je range. Ça je range. Et j'ai fini. Voilà, j'ai fini ma partie école. Même si je dois encore ranger. Mais bon, ça c'est fait. Et voilà. Contrôle. Ça a marché. Mais je ne suis pas positive au Covid. Donc, je peux aller travailler. Voilà, ça y est. Là maintenant, j'ai fini. Alors, j'ai fini de travailler vraiment. Même s'il faut que je range ce livre de maths. Ici. Et je vais commencer à travailler sur cette vidéo YouTube. En fait, j'en ai une autre en préparation et ça, j'en ai pas parlé. En fait, alors, gros projet sur lequel je voudrais travailler là maintenant plutôt que de faire du travail d'école, c'est mon projet, le nouveau projet qu'on a, qui est un projet immobilier. On est en train d'acheter un appartement. Et donc je fais une vidéo là-dessus qui retrace tout le parcours, donc elle est en cours de tournage parce que ben, on est encore en train de faire toutes les formalités, c'est pas du tout fait encore, mais je trouvais ça intéressant d'expliquer le cheminement, donc j'ai vraiment envie de travailler sur ce projet-là. De ce projet de projet immobilier et ce projet de vidéo sur le projet immobilier, peut-être en faire une de plus quand même pour expliquer le pourquoi de ce projet immobilier. Voilà, après j'aimerais lire ce soir aussi et puis déjà c'est pas mal, donc là il est 7h30, j'ai la chance d'avoir Sébastien qui fait à manger, donc je n'ai pas à m'en occuper. Mais il va falloir enchaîner avec tout ce qui est douche, préparation des sacs, vérification que tout le monde a tout ce qu'il faut pour aller travailler demain. Et puis voilà, je vois qu'il recommence à faire moche. J'ai encore une belle luminosité malgré tout, mais ça va pas tarder. Donc comme la luminosité, la lumière du plafond, elle est moche et que j'ai pas d'éclairage encore parce que je suis une bébé youtubeuse depuis plus d'un an, mais je n'ai toujours pas d'équipement et je n'ai toujours rien pour filmer à part mon téléphone portable, et donc je n'ai pas d'éclairage non plus, donc je vais arrêter ce vlog ici. Je ne sais pas si c'était vraiment très très intéressant, dites-moi si vous êtes allé jusqu'au bout, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rentrer en contact avec moi sur ces vidéos, sur ces commentaires, en laissant des commentaires ou en allant sur mon compte Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt et